Bonsoir. Bonjour. Bonne fête à ceux qui s'appellent Valentin et Valentine. Il n'y a pas Valentine sur mon acte de naissance. Et c'est que vous n'arrivez pas à dormir. Vous me cherchez. Me voici. Vous savez comment il vient jouer avec les tolis, non? Bonne fête des amoureux. J'ai remarqué que ma beauté dérange particulièrement certaines personnes sur cette page. Et je ne vous comprends pas. Vous savez, les gens aiment quand... Ok, elle n'est pas riche. Mais quand ils voient que tu es riche, tu es belle. Non, pourquoi elle est belle? Pourquoi elle est riche, elle est belle, elle est mariée? Pourquoi elle est riche, elle est belle, elle est mariée, elle a les enfants? Les gens vont toujours trouver un motif pour vous détester. Venez vous asseoir. Les gens qu'on déteste déjà là. Venez, pour sortir aussi. Vous savez déjà que les gens vont vous détester, non? Mais il brille encore ce matin. Jesus. En tout cas, mon Valentin sera content. Kim Carole, on va bien te viser. Tu comprends? On va donc. Parfois, tu es dans ton compte, tu fais ta chose. Quand ils vont souvent les commentaires des haters là, ils disent que mince, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu. Tu me vois dans ton téléphone. Ah, Jesus. Tu viens m'insulter. Ce sont les démons là, vos démons qui vous dérangent. Vous n'avez pas encore vu. Ils disent que les déceptions qu'on va vous montrer. C'est pour ça que vous ne devez pas leur donner le lait. Ça, votre bouche ne doit même pas se fermer pour parler. Ça ne va pas, tu donnes ça cache, tu sais, ça chaud. Sur place. Sur place. Là, là, là. Souvent, quand ils voient quelqu'un qui essaie, dit qu'on te met devant de l'eau pour te laver. On dit parle. Je veux la santé. Je veux la prospérité. Il dit que quoi? Quoi? Tes décepticons qui te détestent là, quand il faut parler, les gens là n'ont pas peur. Que j'attache la fille là. On dit tout ton nom trois fois. On prend le truc, on ferme. On prend le cadenas, on ferme. On prend, on jette. On dit que c'est toi qu'on attache. Tu viens pour te détacher, je ne parle pas. J'ai un de mes fils là. Kim Carole, arrêtez de prier pour les gens n'importe comment. Arrêtez. Arrêtez. Oh, God bless you. Oh, I'm gonna pray for you.
Mof, regarde là-bas comment elle est laide. Ah, regarde. Je vais attacher la fille là. Je vais l'attacher. Attache de ton côté. Oh, God bless him. Oh. Oh, God, I pray that. Je veux que ma belle-mère soit qu'elle guérisse. La belle-mère de son côté, elle parle à son fils. Tu fais mon quoi avec la femme là depuis? Moi, t'avais dit d'aller épouser une femme qui est de ce village-là, non? Hein? Tu dois la quitter. Voilà, j'ai là ta femme au village. Regarde, même là, elle ne connaît pas préparer. Seigneur, bénis-la. Bénis ma belle-mère, Seigneur. Elle vient chez toi, t'insulte. Tu déposes un truc sur la table et te regarde. Ouais, maman, tu veux. Tu... Maman, j'ai mis l'eau pour te laver. Tu veux. Ah, maman, là-bas, là-bas, là-bas. Ouais, maman, il y a quoi, non? Je t'ai dit qu'il ne fallait pas épouser mon fils, non? Ça, c'est ce qu'elle montre devant toi. C'est ce qu'elle montre devant toi. Imagine ce qu'elle va faire derrière toi, tu ne sais même pas. Elle va appeler tous les oncles de la concession. Parle à votre fils. Parlez-lui. Moi, lui a dit hein, que la femme là qui l'a pris là. Non, 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 non. Elle vient s'installer deux maisons à côté de la maison de son fils. Elle sait que toutes les minutes, elle sera chez vous. Même la nuit, là, elle entre dans votre chambre. Elle vient vous visiter spirituellement. Pourquoi tu dois être gentil avec le genre de mains là? La gentillesse n'amène pas quelque part. Parce qu'on vous a dit, sois gentil. Elle t'abuse verbalement. Même les femmes de vos pères, là, non? Vous savez qu'il y a les femmes de vos pères qui ne vous aiment pas, non? Elles vous aiment pas, non? Écoutez, hein, les Decepticons ne cachent plus leur jeu. C'est pour ça que vous devez être sage. Vous devez être sage. Merci, Denise. Aïcha Lopez, comment tu vas? Comment vont les enfants? Je suppose que tu as accouché deux enfants au moins. J'ai passé l'époque où je veux être gentil avec les gens. Je ne veux plus. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ça va, non? Voilà la fête des amoureux. Vous allez passer à écrire à des gens, oh, bonne fête des amoureux. Alors que vous savez que les gens ne vous aiment pas. Vous savez que les gens ne vous aiment pas. You don't like me, I don't like you. Simple. Point. Rien à ajouter. You don't like me, I don't like you. Nothing else. J'ai connu une femme, je ne vais pas la nommer. Ok, Aïssa, c'est bien de savoir que les enfants vont bien. Quand la femme l'a épousé un monsieur, sa belle-famille ne l'aimait pas. Elle a mis le veto. Tu viens chez elle en vacances, elle te dit, hoha, que attendez-le chez vous là-bas, chez votre grand-mère ou chez sa mère. Attendez-le chez sa mère. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui commande dans la maison-ci. Elle a fait 25, elle a peut-être 28 ans de mariage avec lui. On ne l'attend pas. Et je sais qu'elle ne parle pas seulement avec la bouche.
Je sais que même spirituellement, elle est prête. Vous avez les belles-mères qui vont vous détester jusqu'à la fin du monde. Écoutez, jusqu'à la fin, même vos belles-sœurs là. Certaines de vos belles-sœurs savaient qu'avant que tu n'épouses son frère, manipulait son frère. Maintenant, tu arrives, tu commences à ouvrir ses yeux. Que pourquoi je rajoute l'argent à ta soeur tout le temps? Regarde, elle a son mari, elle a son copain. Pourquoi est-ce qu'elle prend ton argent tout le temps? Il dit, c'est vrai en plus. C'est vrai. Quand il parle là-bas la prochaine fois, il ne donne plus. Ouais, c'est ta nouvelle femme là. C'est ta femme. Déjà, quand vous avez vu au premier jour, il y a une dame qui est venue, elle m'a dit une fois que son gars se plaint toujours d'un mal au ventre. Et quand il est au pays, il mange tout le temps chez sa soeur. Et bien sûr, vous savez que sa soeur prend beaucoup de son argent. Il vit à l'étranger. Mais pour son boulot, parfois, il vient faire 2 mois ici. Un jour, elle va chez sa soeur. La soeur sait la nourriture. Elle sert pour la femme, elle est à côté. Elle sert pour l'homme. Elle insiste beaucoup que l'homme mange ça seul. La copine dit que, ah, tu as servi pour moi beaucoup. Tu as servi pour lui beaucoup. Moi, il ne peut pas manger beaucoup. Donc, autant mieux qu'elle garde ma part. Nous devons manger pour lui. Ha! La femme a refusé. Refusé! La fille a insisté, insisté. Finalement, ça a énervé la femme. Elle a accepté à contre-cœur. Elle s'assoit et mange avec le monsieur. Elle rentre le soir, elle a le même mal que lui là souvent. Ça veut dire que sa soeur là, elle met les choses dans la nourriture chaque fois qu'il vient pour le contrôler. Vous avez même certains de vos mères, vos pères là qui ne vous aiment pas. Hein? Oh oui, un de tes parents peut te détester. Qu'elle t'a porté dans, dans son ventre. Parce qu'elle voit que tu vas avancer trop, trop. Que mais l'enfance là, tu es que comment? Moi, à ton âge, à 30 ans, je n'avais encore rien fait. Toi, à 30 ans, tu as conçu la maison. Tu as la voiture. Tu as déjà ceci. Certains de vos mères sont jalouses de vous. Hein? I'm sorry, je vous le dis. Et alors, tu es ambitieuse. Tu es ambitieuse. Tu arrives dans la famille comme ça là. Là où ses frères parlent, elles étaient. Tu ouvres ta bouche, tu parles. Oh, ah. Et certains de vos mères sont commandées par leurs frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Certains de vos mères, vos parents là, ils sont commandés par leurs frères et sœurs. Tu vois, ta mère n'a pas la force pour protéger ses enfants. On vous envoie en vacances tous les temps chez une tante là. La tante la pratique jusqu'à la concession familiale. C'est toute là, on a donné ça à la tante là. Parce que c'est la seule de la famille qui avait l'argent. C'est la seule de la famille qui avait l'argent. C'est la seule qui avait l'argent pour construire. On a tout donné. On lui a tout donné. Et pas ta mère vous a laissé. On a fait ce qu'on voulait de vous. On a volé vos étoiles. Volé vos étoiles. Vous sucez. Tu grandis, tu vas là, tu as 8 ans. 40 ans. Pas d'enfant. Tu es en Europe, tu souffres. Chaque fois dans tes rêves, tu vois ta tante te poursuit. Chaque fois, ta tante te poursuit. Vous allez arrêter d'être simple, simple. Tu wonder que, mais pourquoi la personne s'y me posait le rêve comme ça? C'était ta soeur, même père, même mère. Hein? Ouais, Seigneur. Pour moi, dès qu'on est sorti du ventre là, dès que je suis sorti du ventre, je suis sorti du ventre. Il n'y a plus le... On n'est pas... Même si on était jumeaux.
Les jumeaux sautent à deux moments différents. On ne retire pas les deux têtes en même temps. Donc, dès qu'on est agrandi là, que quand tu peux aller, je ne sais pas ce que tu vas t'y faire de ta vie. Je ne sais pas là où tu vas te compliquer. Je ne connais pas. Fais attention. Vous pouvez voir sur le nombre de personnes qui travaillent sur la personne. C'est sa soeur qui est en train de gâter la personne. Ou bien c'est ça. Mathurin, je vais te bloquer. Je ne blague pas. Tu as compris, non? Je vais te bloquer. Oui, là, on parle des vraies choses. Tu me plais, tu me plais, pourquoi? Tu vas voir l'autre que c'est la soeur. Donc, la soeur d'une personne bloque les enfants de la personne. Certains d'entre vous êtes en Europe là-bas, vos soeurs vous télécommandent. Il dit que réveillez-vous. Tout est tout du village, c'est elle qui n'a pas fait. Tu es sûr qu'elle n'a pas fait vraiment comme tu as demandé là. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Tu envoies l'argent et dis que je suis parti au village et fais telle chose sur toi. Tu es sûr? Depuis qu'elle fait là, est-ce que tes choses marchent? Réponds alors. Oh Yinga, ça marche. Il y en a que tu envoies l'argent, c'est plein. Elle part, elle dépose. Que tu vas que t'occuper d'elle. Tu as construit sa maison ici. C'est-à-dire c'est la maison familiale. C'est elle qui vit dedans, non? Chaque mois, tu envoies l'argent à qui? Tu envoies l'argent à qui? Parce qu'on vous attache, on vous a mis dans les bouteilles, vous ne savez même pas. Tu es là-bas en Europe, tu travailles pour quelqu'un. Elle te dit qu'il faut que les enfants montent. Fais d'abord. Elle aussi à la maison avec tes enfants. Mais elle dit que ses enfants viennent d'abord. Donc voilà, du coup, tu fais. En fait, tout ce que tu fais, c'est comme ça que tu avais attaché. Familiale. Avant que quelqu'un cherche à me parler, genre je veux la consultation, je veux la consultation, parce que je suis en train d'arrêter les consultations, je suis surbooké. Je fais plus les lavages maintenant. Même les lavages là, vraiment. Je veux que tu t'assoies, tu écoutes mes vidéos. Analyse ta vie. Tu pourras te diagnostiquer toi-même. Tu ne comprends pas que là où tu es là, tu dois travailler sur toi. Ou tu dois bouger pour faire quelque chose. Tu vas penser que c'est la mascarade. Tu vas me venir ici, tu vas faire les déceptions qui continuent mes vidéos. Il y en a parmi vous pour m'insulter, non? Continuez, que vos doigts écrivent les mauvais trucs contre moi, vos doigts vont se casser. Que votre bouche parle tout contre moi, allez vous asseoir, parler contre moi. Vous allez voir. Cherchez pour votre malchance sur moi. Bien plus important que de venir parler de moi.
toute ta vie ne marche pas. Et ton ennemi, ce n'est pas moi. Hein? Ton ennemi, ce n'est pas moi. Tu es là-bas, on t'a voilé, on t'a bloqué, on t'a... Mince. Esprit de rejet sur toi partout. Tes clients te fuient. Tu as déposé la demande de visa depuis, ça fait 5 ans. Chaque année, on te demande un nouveau papier. Il faut savoir là où vous allez diriger vos énergies. Tu peux m'écrire 5 jours, une semaine, je ne te réponds pas. Va écouter les vidéos que j'ai mis en ligne. Lave-toi avec le sel. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des gens. J'ai une qui est venue de France l'autre jour. Elle arrive ici, elle est devant moi. Tu te laves avec le sel? Non, elle t'écoute depuis novembre. Décembre, janvier, on est en février. Ça fait 3 mois que tu m'écoutes. Tu n'as jamais pris le sel, tu as mis dans l'eau, tu as versé sur toi. Toi-même, tu veux rester dans ton trou. Reste dans ton trou. Les mauvais esprits n'aiment pas le sel. Ils n'aiment pas. Quand tu verses un peu aux quatre coins de ta chambre là, avant de dormir, tu vas voir. Quand vous parlez, vous aimez dire que vous maîtrisez. Mets dans l'eau, lave-toi avec, tu vas voir. Certains font ça, vous allez encore leur faire mal jusqu'à ils te prennent encore que mince. On t'avait attaché jusqu'à... Sachez diagnostiquer vos vies. Je voulais aborder un deuxième sujet, vos enfants. Beaucoup d'entre vous, vous négligez vos enfants. Tu souffres parce que ta mère a dormi. Tu es là-bas, tu souffres parce que personne n'allait faire quelque chose sur ta tête. On t'a pas montré comment te laver. On t'a pas montré comment faire les lavages. On ne t'a pas montré comment faire les sacrifices? Rien. Tu es là comme ça, élan, élan, ton devant derrière, tu es là. Tu accouches l'enfant. Depuis que ton enfant est né, il a 15 ans aujourd'hui. Tu as même mis une offrande sur la tête de l'enfant là. Tu crois que ton enfant va tomber sur quoi? Il va tomber sur les fumeurs de manga. Il va aller fumer le cannabis. Il va aller porter plainte contre toi à la police. Sa tête ne va pas réfléchir bien. Quand tu vois un enfant, c'est pour ça que vous allez voir jour là, c'est généralement les Bamileke qui, vous allez voir, ils percent beaucoup. Donc tu vas voir, pour le même nombre de Bamileke, sur 100 Bamileke, tu vas voir peut-être, je pense comme ça au hasard, 60 qui sont vraiment décidés dans leurs choses. Tu le vois sérieux, concentré. Sur 100 peut-être d'une autre région. Bon, c'est les musulmans qui sont très, ils font le prière à temps. Ils font le saraka, des choses comme ça. Maintenant, cherche peut-être. Cherche une autre région, hein. Un député de Douala. Je ne suis pas tribaliste derrière moi, je m'en fous. Parce que mon gars n'est même pas Bamileke, donc. Mais, je veux que vous compreniez que les autres tribus négligent beaucoup les traditions. Beaucoup. Tu vas voir quelqu'un.
Même si tu ne parles pas le patois, il faut quand même savoir ce qu'il faut faire. Depuis que tes parents sont morts, tu es parti sur leur tombeau. Non. Tu as eu à faire un truc dans ton village. Non. Tu as déjà. Non. On t'a rien montré. Non. Quand tu regardes la vie de la personne, tout menté comme tout. Rien ne marche. Comment ça, il laisse, il commence, il ne termine pas, il commence, il ne termine pas. Il vit de fin de mois à fin de mois. Diane, s'il veut que tu sors de sa maison, tu sors, non? Je vais vous lire ce que Job faisait. Job chapitre 1. Je lis la parole de l'Éternel. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait ses enfants. Pipou, Papou, Eric, Constant, Jean, ça, venez. Job chapitre 1 verset 5. Je lis dans la Bible. Job appelait ses enfants. Il les appelait et il les sanctifiait. Donc il faisait sûrement des lavages sur ses enfants. Vous me comprenez? Il appelle tous ses enfants. Il met sa part. Il dit, toi, va. Prends ton bain, va. Prends ton bain, va. Prends ton bain, va. Il met même l'hysope dessus. Allez vous laver. Il les appelle d'abord tous. Il les sanctifie. Puis, il se levait de bon matin. Et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il tuait un animal sur la tête de chacun de ses enfants. Et il brûlait. Qui parmi vous a l'habitude de tuer souvent un animal pour ses enfants? Quand vous parlez de le lavage à distance, vous conseillez à dire que oh, moi, je n'ai pas besoin de laver mes enfants. Je n'ai pas besoin de laver mes enfants. Vous savez, tu vois ton enfant grandir, il est aussi là comme ça. Élan, élan. Tu as besoin qu'un enfant ne réfléchisse même pas. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps. Il y a les choses qu'on ne vous a pas montrées quand vous étiez en train de grandir. Ça vous a handicapé. Personne n'a fait sur vous. Ça vous a porté préjudice. C'est maintenant à 38 ans que tu te lèves, maintenant tu commences à faire ton travail spirituel. Tes enfants qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans là, fais pour eux. Fais pour tes enfants. Ton enfant ne va pas être sélectionné dans l'équipe de football où il peut faire la sélection là seul. Mets les prières sur ton enfant. Même les messes, demande les messes. On ne fait pas seulement les demandes de messe pour les repos des âmes des gens. Demande la messe pour la réussite de mon enfant. Sanctifie tes enfants. Voyez le lavage. On a le bain sang de Jésus. On a le bain ceci. Tu prends le parfum, tu mets dans l'eau. Tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Deux, trois pincées. Trois gouttes de sel.
Pardon, 3 gouttes de parfum. Le parfum, donne-moi tout. Tu peux mettre quelques gouttes dans l'eau. Et chiffre impair. Tu pries dessus. Tu donnes à l'enfant. Maintenant, une fois tous les quelques mois, tu prends un animal, tu sacrifies. Et c'est que l'autre aussi, c'est un peu lourd pour pouvoir comprendre. Déjà, même sur toi-même, tu ne fais pas d'animal. Même sur toi-même, d'abord, tu ne fais pas de sacrifice pour toi. Combien de fois ton enfant? Ah, c'est un peu simple que vous êtes là. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, non? Et vous dites. Nous, on n'est pas habitués. On ne fait pas nous ça chez nous. C'est pour ça que ta mère souffrait, n'avait pas l'argent. Tu fais les mêmes choses que ta mère, tu auras les mêmes résultats que ta mère. Crois-moi. Tu vas y aller encore. Aussi, Yongo. Même si tes enfants sont loin de toi, c'est pas grave. Et lavage à distance. Enseignez aussi ces choses à vos enfants. Vous savez, quand Abraham est parti pour tuer Isaac, Isaac avait coutume d'aller faire des offrandes avec son père. Isaac était habitué. Allez dans la Genèse, non? Allez, Genèse chapitre 12. Ok, Blandine, à foi. J'ai vu tes messages, mais je suis tellement occupée. Tellement à Blandine. Je reviens, je l'avais voyagé. Tellement. Donc, les consultations qui sont en attente là, écrivez seulement vous dites consultation. Parfois au hasard, comme ça, j'appelle, je vous appelle. Ne réservez plus les consultations, vraiment. Vous pouvez réserver les lavages à distance. Si vous êtes à Douala, vous venez vous laver. Mais de prendre les consultations là, j'ai tellement de consultations à faire. Genèse 12, verset 4. Dieu a déjà appelé Abraham. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel pour l'Éternel qui lui était apparu. Là-bas, il a bâti un hôtel. Regardez encore. Premier hôtel qu'il a bâti. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Je
J'essaie de voir là où il fait encore bon. Chapitre 13. Là, on parle de là et sa richesse. Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. C'est parce que le cœur de ta fille est pur, Kim Carole. C'est pour ça que ça sent bon pour elle. On va passer à côté d'un sorcier, ça va sentir mal. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous allez voir que quand il invoque le nom, ça veut dire qu'il fait sûrement un sacrifice. Et quand on fait un sacrifice, on brûle. Ce n'est pas pour rien que dans la coutume bamiléké, on brûle. Quand on brûle, c'est tout ce qu'on brûle, ça fait une connexion entre le spirituel et le physique. Donc, quand on verse du sang, et les principes que vous n'utilisez pas, d'autres personnes vont utiliser contre vous. Quelqu'un peut venir t'attacher sa marche parce que tu ne fais pas ton travail spirituel. Quelqu'un a attaché ton enfant parce que toi, tu n'avais pas protégé ton enfant. Vous comprenez, non? Donc, c'est pas genre, j'ai à protéger mon enfant, il est quand même venu là, il a traversé la barrière. Là. Non, non. Et la protection ne se fait pas une fois tous les 10 ans. Régulièrement. Tu peux dormir, tu fais un rêve. Le Seigneur te montre comment te poursuivre ton enfant. Même si ça fait 2 semaines que tu es parti faire un tour sur ton enfant, tu peux encore faire. Il cherche là où avant on fait les hôtels. Chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. Quand tu vois lève-toi dans la Bible, ça veut dire... Élargis ta pensée, élargis ta vision. Comme dans Isaïe 60, verset 1. Arise and shine. Lève-toi, ta lumière est arrivée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré. Et vous voyez, verset 18. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham faisait beaucoup de sacrifices. Beaucoup. Parce que les gens qui... Les Philistins, ceux qui étaient les ennemis en quelque sorte. Ah, c'est bien comme tu vois le film d'Abraham. Avant, on faisait beaucoup d'autels. Si vous continuez de lire, vous allez voir. Hein. Il a appris à ses fils aussi. Isaac aussi savait faire des autels. Dans Genèse 26, c'est la vie d'Isaac. Voilà Genèse 26. Abraham avait appris à son enfant, à ses fils, parce qu'Abraham a eu plusieurs fils après Isaac. Il leur a appris à se connecter à Dieu et d'entendre la voix de Dieu par eux-mêmes. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Et là, il lui fait les mêmes promesses qu'à son père, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Verset 6 dit, et Isaac resta à Guérar. Il a dit, obéis. Quand Dieu vous parle, vous devez obéir.
Verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. La bénédiction de Dieu apporte l'abondance. Oui, oh, je suis béni, je suis béni. Je souffre dans la journée là. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Un peu comme moi. De plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous savez, il y a riche. Il y a fort riche. Il y a riche. Il y a fort riche. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblaient et remplis de poussière. Donc les Decepticons sont venus pour arrêter la richesse d'Isaac. Son père lui avait passé des choses. Et les Decepticons sont venus pour prendre. Pour fermer en fait. Ils n'ont même pas pris, ils ont fermé. Bien sûr, Abraham ne s'est pas fatigué, il est encore allé creuser ailleurs. Donc, vous, donc, on a fermé là. Ça va revenir. Verset 24, Genèse 26. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Je te multiplierai. » Ta postérité. Regardez le verset 25. Il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Chantarabassa. Comptez, regardez, lisez la Genèse. Comptez le nombre de fois ils ont fait les autels. Autel, ça veut dire sacrifice. Ça veut dire qu'un animal est mort. Au moins. Alors, en Genèse 15, on dit qu'il fait des sacrifices. Il ne connaît pas, il ne connaît pas. Tu lis la Bible chaque jour. Genèse 15. Chaque fois que Dieu fait une promesse à quelqu'un, Jesus is Lord. Chaque fois que Dieu fait une promesse à quelqu'un, ou rien, je me suis tapé 6 heures de voyage. Je suis arrivé chez moi, j'ai fait une heure ici là, et mon voisin te fait direct. Donc, laissons seulement. Genèse 15. Ici, l'Éternel fait des promesses à Abraham. Verset 7. Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi est-ce que je connaîtrais que je posséderais ce que tu m'as donné ?» Il y en a parmi vous un. Tu dois aller faire un sacrifice pour l'enfant que tu demandes à Dieu depuis. Ici, Dieu lui a dit, je vais te donner l'enfant, je vais te donner l'enfant, je vais te donner l'enfant. Seigneur, j'ai 95 ans, j'ai 97 ans. Anosi Bikin. Dieu lui dit, lisez le verset 9. Prends un génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu. Seigneur, que tu puisses donner une révélation à tes enfants. Vous savez, quand j'étais dans l'église pentecôtiste, on me disait toujours, les sacrifices sont passés. Jésus est venu faire l'ultime sacrifice pour nous. When you do something good, something fine, you go waka. Ça fait 10 ans que tu es là, tu écoutes. Et tu ne fais aucun sacrifice, tu ne fais rien. Est-ce que tes choses avancent alors? Ça avance. Il y a des gens qui ne passent même pas à l'église. Hein? Moi, ils vont avec la logique. Si on me dit que voici la clé de la porte là, je passe chaque jour, je mets, je tourne, ça ne s'ouvre pas. Je mets, je tourne, ça ne s'ouvre pas. Je mets et tourne, ça ne s'ouvre pas. Quelqu'un vient, il ne dit même pas qu'il a la clé, il ne dit rien. Il vient, il met ce qu'il a dans sa poche, il tourne, il entre. À votre avis, qui est-ce que je vais écouter par rapport à cette porte? Celui qui a fait, j'ai vu ça marcher, non? À bon entendeur, je sais que mes enseignements sont parfois durs dans vos oreilles, mais il veut seulement que dire,
Continuons. Abraham a donc pris un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Il a pris tous ces animaux et les a coupés par le milieu. Donc il a pris les animaux vivants, il a fendu l'animal en deux. Ça, c'est dans le sacrifice. Mais les oiseaux, il n'a pas fendu. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Donc quand tu fais ton offrande, il y a des endroits où quand on fait les offrandes, on doit protéger pour que même les chiens ne viennent pas manger. Parce que ce sont les Decepticons. Ici, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et apparemment les chassa. Quand tu fais ton offrande, tu dois protéger ton offrande. Pour que la terre mange ton offrande. Les dieux. Et quand tu n'as pas fait ton offrande quelque part, ton sacrifice, ne sois pas pressé pour rentrer. Il y en a parmi vous, vous allez venir sur Cameroun souvent pour travailler avec moi là. Tu vas venir faire 4 jours, tu vas rentrer dans ton pays. Ta famille ne va même pas savoir que tu es là. Et il y a le local pour ça. Donc je suis en train de faire les finitions. Vous allez venir. Parce que quand tu fais ton sacrifice, tu dois dormir là où tu as fait. C'est que mes enseignements sont très difficiles pour vous, non? Je continue. Au coucher du soleil, Genèse 15, verset 12, un profond sommeil tomba sur Abraham. Si vous remarquez bien l'énergie, quand vous partez faire des sacrifices, vous serez fatigué. Parce que tu viens de te connecter au spirituel. Quand tu fais une libation sanguine, c'est-à-dire tu coupes le sang. Tu coupes un animal, tu prends une vie, une énergie. Tu verses le sang là sur la terre ou sur l'autel. Quand tu verses, tu es en train d'ouvrir un portail spirituel. Tout liquide qu'on verse. Seulement les gens qui font, quand on fait l'amour, là, même le liquide là qu'on verse aussi, c'est un contact spirituel. Donc, tout liquide que tu verses, ça ouvre un portail spirituel. C'est là maintenant que tu peux parler. Tu parles. Il y en a parmi vous qui fait vos sacrifices, les mofs, c'est la bagarre. Le couteau est tranchant, hein. Le couteau est limé. Tu fais 1, 2, 3, tu arrives sur la 4e personne, le couteau ne coupe plus. Qu'on a attaché la personne jusqu'à... Le couteau ne coupe plus. Bref, non, quoi là-haut. Vos noms bizarres là que vous avez sur Facebook, c'est moi, je ne vous comprends pas. Tout ce que j'enseigne ici, là, je ne discute pas moi avec quelqu'un. Vous avez compris. C'est chacun qui va sentir dans son corps. Vous avez compris, non? Chacun va sentir la souffrance dans son corps. Il défie yourself. Ça va te toucher tout seul. Continuons. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel lui a parlé, il était là, éveillé, Dieu a parlé. Il a sacrifié. Et je vais me rappeler que quand Dieu parlait à l'époque, Dieu a parlé à Abraham, c'est seulement une idée qui venait dans la tête d'Abraham. Hein. Abraham n'avait pas un mentor ou un pasteur ou un guide spirituel qui devait dire, ok, viens, on va faire ça au village. Il reste comme ça, là, son intuition lui parle. Je vais bénir ta postérité. Je vais bénir le monde à travers toi. Après, il a une idée. Prends les 4 animaux, c'est là, tu peux les fendre en deux, tu déposes au sol. Il prend, il paye, il dépose. Il fend. Dieu confirme comment? La nuit là. L'Éternel vient lui dire dans le rêve, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point le leur. Et là, Dieu lui fait une longue promesse. Il dit maintenant, et à la 4e génération, ils reviendront ici. C'est ce qu'on fait les sacrifices aussi, les générations comptent. Il y en a parmi vous, vous payez pour les malédictions de vos grands-parents, de vos arrêts-grands-parents. Il y a des endroits, ils sont partis, ils ont fait des trucs. Ils ont signé des pactes que leur descendance sera
poursuivi par ces esprits-là sur 4 générations. Toi, tu es la 3e génération, tu es la 4e génération. C'est pour ça que ta mère ne s'est pas mariée, ta grand-mère ne s'est pas mariée, toi-même, tu n'es pas mariée. Vous devez comprendre ces choses d'abord. Avant de prétendre dire que vous allez briser. C'est pour ça que tu, même si tu forces, tu pars, tu fais, ça va encore refaire, ça va revenir en arrière. Tant que tu ne coupes pas la racine, tant que tu ne comprends pas ce qui est là. Donc Abraham devait briser une malédiction parce que le père d'Abraham n'était pas connu. Abraham devait briser une malédiction générationnelle qui était là sur son père. Peut-être même son grand-père. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Il a tué, il a déposé. Le sang a touché la terre. Maintenant, Dieu vient, il brûle l'animal. Je vous ai dit que les contacts spirituels clés, c'est quoi? Je sais qu'il y a les sorciers ici, là, que vous regardez ce que j'ai dit. Je m'en fous de vous. J'enseigne maintenant aux autres personnes pour qu'ils comprennent. Parce que quand ils vont aller faire leur sacrifice, ça va les libérer de ce que vous avez fait pour les attacher. On vous attache avec le sacrifice, on vous détache aussi avec le sacrifice. Ce soir, je ne parle pas seulement des générations, je ne parle pas des maris. Ne me sortez pas de mon sujet. Il y en a parmi vous, les maris que vous avez, ça vient de vos parents. Hein. Ta mère avait ça. Elle s'est mariée, elle a divorcé à 17 ans. Elle t'a eu à 16 ans et demi. Depuis qu'elle t'a eu, elle n'a plus jamais eu d'enfant. Elle a un mari dans sa vie-là. Après, elle te passe la même chose. Tu vois là, tu as 8 ans. Pas d'enfant. Pas de mari. On va aller dans 1 Roi chapitre 3. Ce qui fait votre chute, c'est qu'on ne vous ait pas enseigné certains principes. Je vous dis que je prends la Bible, je pars avec vos villages. On fait les sacrifices, on verse celui de rouge. Avec la Bible. Un roi 3. Quand ils faisaient des sacrifices dans l'Ancien Testament, ils quittaient de leur ville, ils partaient dans une autre ville. Et c'est que vous déplacez seulement pour les deuils des gens. Souvent, tu vas partir au village parce que tu n'as pas fait un sacrifice sur toi, sur ta tête et tes enfants. Le 1 roi 3 verset 2. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Ça, c'est dans la Bible. En tout cas. Ça fait croire que la Bible si refuse les traditions. C'est même les traditionnalistes qui disent non, moi, il veut pas la Bible, il veut pas la Bible. Moi, quand on m'a appelé, on m'a montré qu'il y a ça ici dedans. Et c'est ça que je vous montre. Ce que j'enseigne, c'est pas tout le monde qui est prêt pour écouter. C'est pour ça que je me casse pas. Ma doctrine, c'est pas pour tout le monde. Ma doctrine, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a, tu aimes Dieu. Mais les trucs du village, tu ne comprends pas, tu ne connais pas. On ne t'a jamais montré. Tu as peur. Tu
Tu ne sais pas que c'est là-bas qu'il y a l'accord, qu'il y a l'autre partie de ce qui va compléter l'amour que tu as pour Dieu. Parce qu'on a mis dans ta, on a mis le radicalisme dans ta tête. C'est ça qui tue les gens des églises ici là. Dès que tu rentres dans l'église, tu commences à détester toute ta famille. Tu vois que ta mère qui t'a accouché, ta mère qui t'a mis au monde là, elle va vouloir ton mal. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a les mères décepticons. J'enlève les mères décepticons. Parce qu'il y en a quand vous avez dans les églises réveillées, là, on dit comment dire que oh, comme ta mère n'a pas accepté Jésus-Christ, elle est un démon. Tu appelles ta mère chaque jour au téléphone. Maman, tu l'as accepté Jésus. Hmm? Comme tu n'as pas accepté Jésus, là, tu vas partir en enfer. Tu es un démon. Naweti. Naweti. Ne pas dire que j'ai des couches. Elle s'est occupée de toi, tu as grandi, non? Bon, malheureusement, il y a beaucoup de mères aussi qui ne sont pas. Hein. Beaucoup de mères âgées, des mères, tu vois, la fille vient, sa mère a même 53 ans, 60 ans, la mère ne connaît aucune coutume. Je dis, mais c'est dommage, la mère, tu connais rien. Elle dit, ah, moi ici, moi là, comme ça. Je dis, la mère, c'est pour ça que ta fille souffre. Voilà, ta fille a 35 ans, elle est à Paris. Ces choses ne marchent pas. Ces choses ne marchent pas. C'est Dieu, vous savez que je sais que vous avez les faux noms qu'on ne peut pas lire, on sait même pas qui vous êtes. Dieu de quelque chose là. Écoutez, je suis pas moi là pour discuter avec toi, je ne discute pas avec quelqu'un. Ce que je sais, c'est que je suis là pour réveiller les consciences des gens qui ont vraiment cherché, ceux qui sont partis à l'église pendant 8 ans là, payer les dîmes, faire tout ce qu'on leur a dit de faire, mais ça ne marchait pas. Je viens vous apporter les pièces manquantes. Je suis passé par là. On vous a mis dans un radicalisme. C'est pour ça que je prends la Bible et je vous montre mot. Maintenant, ce qu'ils vous disent, ce n'est pas pour rien que le deux tiers de la Bible, c'est l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de pépites, il y a de l'or, il y a des trésors dans l'Ancien Testament. Si on te donne quelque chose, le deux tiers de la chose-là est quand même important, non? Et la Bible dit que ce que Jésus a fait, si on voulait écrire dans les livres, ce que tous les livres de la terre ne pourraient contenir cela. S'ils ont choisi de mettre ce que Jésus a fait dans ce monde, dans les un tiers de cette Bible. Voilà la Bible. Voici le Nouveau Testament. Voici ça. Regardez, voilà l'Ancien Testament ici. Ancien, nouveau. Regardez. Voilà le nouveau. Voilà l'ancien. Nouveau ici. Ancien là. Vous pensez que Dieu est bête? Donc Dieu est bête, non. Continuez. De toute façon, moi, il ne veut pas stresser avec vous. Et quand vous lisez la Bible, demandez l'assistance du Saint-Esprit. Demande Dieu, qu'est-ce qui me bloque? Seigneur, j'ai fait tout ce que le pasteur a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible que toi tu as dit? Ou qu'est-ce? Dis-moi, Lata. La période là, tu vas tomber sur ma vidéo. Tu vas comprendre. Je ne suis même pas là pour condamner quelqu'un. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas là pour montrer que ma voix, c'est la meilleure des voix. Parce que ma connaissance évolue. Mais s'il y a quelque chose que c'est à tout moment, c'est que Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, montre-moi la vérité. Que je, donc, là où je suis, là, montre-moi ce qui est le nunoc. Le nunion, la vérité de là où je suis. Parce que l'Esprit vous révélera progressivement. Là où je suis là, je suis trop deep. C'est moi que vous ne pouvez pas tous comprendre. Ce que j'enseigne là, c'est un peu deep pour certaines personnes. Je vais utiliser la Bible toujours. J'utiliserai toujours la Bible.
Je prierai au nom de Jésus. Toujours. Parce que le nom-là, les démons tremblent quand ils entendent ce nom-là. Il y a des moments, un démon manifeste ici comme ça. Dès que tu commences qu'au nom de Jésus, ah, non. Que n'a plus le nom dans mes oreilles. Vous parlez de quoi? Le nom de Jésus. Jesus. Yeshua. Mof. Dès que tu dis au nom de Jésus-Christ, il dit, ouais, pardon mes oreilles, pardon. Je n'aime pas le nom là. pardon. Demandez à Jésus de se révéler à vous clairement. Pas comme le pasteur a dit. Pas comme vous avez entendu à la télé. Jésus, montre-toi à moi pour qui tu es réellement. Il va vous montrer. Bon, je voulais lire 1 Roi chapitre 3. Moi, je ne fais pas les débats. Genre, ok, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je ne fais pas moi ça. J'enseigne ce qu'on m'a dit d'enseigner. Dieu, je n'ai pas moi de... Les consultations, je ne fais même pas. Tu ne peux pas. Dieu, quelque chose là, tu ne peux pas. Je suis plus disponible pour les consultations. C'est chaud. Tous ceux qui ont déjà payé là, je fais convertir, fais les lavages avec. Consultation, je suis surbooké. Donc lisons bien. 1 Roi 3. Je n'avais pas prévu d'enseigner comme ça là. Moi, je suis rentré, j'étais moins fatigué. Je sais qu'il avait dormi. Voilà, on est dimanche, il est quelle heure? Il est 2h29. Mais voilà, on était vous enseigner. Maman, il n'y a que deux personnes qui ont partagé ma vidéo. Pourquoi vous êtes chiche comme ça? Jesus. C'est maintenant qu'elle voit. Deux partages. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Vous savez que vous gagnez sur le Camerounais. Le Camerounais est très bizarre. Regardez ma vidéo. Quand tu sors du noir, je sais que j'aurai beaucoup de haters qui vont commenter sur ma vidéo. Vous allez même les commenter, genre, vous allez insulter comme vous voulez. Mais le message est passé. La plupart des gens qui insultent là, ce sont les gens qui partent travailler pour bloquer les gens. Partez bloquer les gens. Vous n'avez pas liké ma vidéo. Bon, c'est maintenant que les partages sont en train de se faire. Merci pour les partages. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai toujours... Quand tu vois quelque chose à t'aider, c'est quelque chose que vous enseignez là, vous ne me payez pas pour ça. Facebook ne me paye pas. Mais je vais partager avec vous, non. Apprenez à partager. C'est ça qui va sauver l'Africain. C'est pour partager la vidéo où un homme a tué sa femme. Oh, c'est pour partager, là on fait les polémiques. Vous allez courir, envoyer dans les messages des gens. Mais quelque chose qui va aider quelqu'un qui fait, il obtient ses papiers, il se marie, il brise une malédiction générationnelle sur lui. Non, tu ne vas pas lui montrer. Maman, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, vraiment. Donc, on va lire 1 Roi, chapitre 3. Je continue d'enseigner sur les sacrifices. Pourquoi vous devez faire des sacrifices? Pourquoi vous? Je vous explique pourquoi vous. Je suis en train de prendre la Bible pour vous montrer. Bon. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. 1 Roi 3, verset 2. Car jusqu'à cette époque, il n'y avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père.
Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Vous entendez? Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Donc, il quitte une ville. Il part dans une autre ville pour faire son sacrifice. Te voilà là-bas là où tu es depuis. Et que ce que les gens quittent des États-Unis pour aller dans un autre pays pour faire des sacrifices sur leur tête. Quand il fait ça, je quitte d'une ville à l'autre, hein, je pars dans une autre ville. J'ai des sacrifices qui partent dans les autres villes pour faire. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Et il y a les lieux, quand on parle de sacrifice, il y a lieu et lieu. Il y a les lieux faibles, il y a les lieux forts, il y a les lieux très forts. Déjà que tu arrives là-bas, si tu ne mets pas au moins le bouc, ce que tu n'as rien fait, on ne peut pas là-bas mettre la poule ou bien le... Non, non, non. Un roi 3, verset 5. Donc, il est parti, il a ouvert 1000 animaux. Et vous, là, vous, votre argent, vous pleurez trop l'argent sur vos sacrifices. Dans le spirituel, tu vois quelqu'un qui a l'argent. La personne-là a sacrifié beaucoup d'argent. Non, je n'ai pas l'argent, tu ne peux pas faire une réduction. Je n'aime pas entendre ce mot-là. Dieu, je vais te bloquer. Tu as compris? Ton esprit commence à m'embêter. Je vais te bloquer. Moi, je blague pas avec vous. Hein. Je te bloque. Pas avec les noms qu'on ne peut même pas savoir qui vous êtes. Donc, il a fini de sacrifier ses 1000 animaux. Donc, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 459, 460, 460, 970, 971, 72, 73, 100, 1000. Sur ont même pris 3 jours pour tuer tous les animaux là et brûler. Parce qu'il y a un moment qui n'est pas fait, quand on fait seulement 4 animaux comme ça, là, ça te prend toute une journée. Voilà. Aga, il a fait, il a dormi là-bas. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc, ceux d'entre vous que vous partez souvent faire vos trucs au village là, de préférence, passez la nuit là-bas. Ils vont vous parler pendant la nuit. Vous comprenez, non? Et là, Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Les gens aiment bien dire, je reçois la richesse de Salomon. Non, 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 non. Qu'est-ce que Salomon a fait avant que Dieu vienne lui donner l'argent? Tu penses que 1000 animaux, là, c'est facile à acheter? Il y a le moment où tu vas partir comme ça, tu prends même 5 animaux, tu fais en même temps. 5! Tu vas voir la puissance que tu vas avoir. Tu vas voir. J'en ai qu'un demi te dépasse. Je vais vous débloquer ce soir. Je sais. Si j'enseigne comme ça, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément me parler. Donc, quand j'enseigne comme ça, tu ne comprends pas. Toi, tu as. Hop. Dieu lui demande dans le rêve. Il y a des façons de provoquer Dieu. Que Dieu, tu ne parles pas. Ok. Dieu, tu ne parles pas. Ce n'est pas la longueur des nuits que tu vas passer à l'église. Ce n'est pas le nombre de fois que tu vas laver le sol à l'église.
On appelle que Salomon est parti évangéliser. Il est parti laver le sol à l'église. Et si vous remontez, vous partez voir le temps de David. David faisait des sacrifices sur la tête de son fils. Allez dans 1 Chronique. Ouais, Jesus, 1 Chronique 29. Je crois que c'est là-bas. Je vais arrêter l'autre signe. Pas d'abord regarder l'autre signe. Je crois que Salomon est devenu roi pour comme ça, là, bêtement. David vous insolentait avec les offrandes. Allez dans 1 Chronique chapitre 29. Venez me lire ça. Oh, David, tu me plais, tu me plais. Je veux la richesse du roi Salomon. Je veux la richesse du roi David. Allez voir les sacrifices que les gars-là faisaient. Allez voir. Mon enseignement, s'il me plaît. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. 1 Chronique 29, verset 20. Allez lire votre Bible. Parfois, je me dis, je connais la Bible, tu ne connais rien. Il dit que, ouais, lisez la Bible dans le sens même qu'on avait mis. Il s'inclinait et se prosternait devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste. Sacrifice, on coupe. Holocauste, on brûle. À l'Éternel, 1000 taureaux. Comptez-moi à Chandara Babo Sekara. Même le lapin te dépasse. Même le poussin te dépasse. Je veux la richesse de David. Je veux la richesse de David. Ouais, au nom de Jésus. Chandara da 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 da. Oh. J'espère qu'après le tout, cela, on va vous dire, je pars au village. Tu vas faire quoi? Tu peux au deuil? Non. Chercher les lieux sacrés. Continuons. J'enseigne à 2h40. Je suis forte. Et oui. Moi-même, si là. Je continue. 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux avec des libations ordinaires. Une libation, c'est quand on prend un liquide, on verse à terre. Je suis sûr qu'ils avaient même jumboum encore les whisky. Verse au sol que prenez. Parce que si tu alignes 1000 animaux, 1000 bœufs, 1000 ceci, 1000 cela, je ne pense pas que tu vas venir verser de l'eau tanguy. Non. Peut-être que c'était même 2 Damjan ou 2, même 2 contre. Je ne sais même pas quelle quantité de vin ils ont versé. Peut-être qu'on a même nagé dedans, on a fait la rivière avec. Et quand il finit, il fait le salaka. Je vous avais expliqué ce que c'est le salaka, non? Tu fais les gens mangent la nourriture, n'est-ce pas? Hein? Verset 22, il mangeait et but ce jour devant l'Éternel avec une grande joie. Donc quand vous faites ce salaka, les gens qui ne sont pas contents, là, chassez-les. Quand moi, il fait ça, il y a des gens qui disent que si quelqu'un est dans l'assemblée, si. Et que son cœur est en train de vouloir maudire la personne qui fait son sacrifice, que ça retombe sur lui. On renvoie ça tout toi directement, science tenante. Voilà. Il mangeait et but ce jour-là devant l'Éternel, avait une grande joie. Il proclamait roi pour la seconde fois, Salomon, fils de David, et il oignit devant l'Éternel comme chef, et il oignit Sadoc comme sacrificateur. Chaque roi avait toujours son kamsi qui partait faire des sacrifices pour lui. Vous connaissez la Bible? Oh Seigneur, Seigneur. Vous savez, j'ai passé longtemps, j'ai passé beaucoup d'années dans le noir. Dédine.
dans le noir. Tu peux me dire seulement que non, il faut seulement prier, non. Ah, prie seulement, non. Il y a les choses qui accompagnent le jeûne. Il y a les choses qui accompagnent la prière. Il y a les actes physiques. Je vous ai mis une vidéo sur YouTube, l'autre jour, je parlais du cadenas. Tu fais, après, tu prends le cadenas, tu fermes. Tu fais, après, tu prends le cadenas, tu ouvres. Que j'ouvre ma destinée. Tous les sacrifices qu'il avait offerts, c'est parce qu'on devait mettre son fils sur la chaise. On devait mettre Salomon sur la chaise. Les 3000 animaux, c'est là, c'est parce qu'on devait mettre Salomon sur la chaise. Donc, il a offert ça pour son fils. Quand son fils s'assoit sur la chaise, lui-même, il peut encore offrir 1000. Salomon s'assit sur le trône. 1 Chronique 29, verset 23. De l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tu crois qu'on lui obéit comment? Pourquoi? Parce qu'il était beau. Parce qu'en coupant les animaux, là, on a dit, Seigneur, qu'il reçoit l'autorité sur toute la nation. Il reçoit l'obéissance de toute la nation. Laissez, je vais vous instruire. Je vais appeler ça l'école de la spiritualité. Je vais vous instruire. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumis au roi Salomon. Ah, yeah, Seigneur. Certains d'entre vous, on a pris ma succession. Tu n'as jamais fait aucune offrande, aucun sacrifice, rien. Tu crois qu'on va te donner ta succession comment? Tu crois qu'on va t'obéir comment? Tu crois que je vais parler, on va t'écouter comment? Tu as déjà fait quoi, les gens ont vu? L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Je prie que tes enfants comprennent. Fidéline, pour me parler, c'est difficile. Écoutez mes enseignements. Je peux passer 2 heures sur WhatsApp, sur le truc-ci là, je vous parle. Mais pour parler aux gens là, c'est difficile. Je suis tout le temps, soit je suis en train de faire le lavage, soit je suis en train de faire les sacrifices, soit je suis en train de voyager. Je n'ai plus le temps pour faire les consultations, vraiment. Donc si quelqu'un écoute, il veut un lavage ou un sacrifice, quoi que ce soit, ça là, écrivez au numéro, vous dites que c'est ça que vous voulez. Mais les consultations, dites qu'on veut. Parce qu'avant ça, évidemment, il faudrait que je te parle pour savoir ce que tu veux. Ça ne va pas durer 5 minutes. Mais il n'y a plus le temps à dire qu'il veut dédier à chaque personne. Avant, il faisait une consultation de 40 minutes. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est pour ça que j'enseigne ici. Écoutez. Ça, comme ça, tu vas comprendre ce qu'il te faut. Tu vas comprendre ce qu'il te faut. Quand tu comprends, tu ne restes plus dans la même dimension. Parce qu'il y en a parmi vous, vous lisez la Bible, vous avez une connaissance de la Bible, mais vous n'avez pas le Réma. Vous avez le Logos, vous n'avez pas le Réma. Le Réma, avant qu'on me disait que non, il te faut des années pour ça, je doutais un peu, je me disais, ah, quand même, je comprends rien à la Bible. C'est maintenant qu'il reste ça là, je reste souvent, il dort. Il vient me montrer le Réma de la Bible, pas comme vos pasteurs vous enseignent là. Le Réma, que ici on doit faire comme ça. Ici on doit faire comme ça. Tu pars dans la Bible, tu vois, c'est ça. La Bible dit elle-même que l'Éternel éleva au plus haut degré. Comment on dit qu'on va te soulever jusqu'au ciel là? Comment on dit qu'on va te soulever jusqu'au ciel? Il y a le numéro dessus, le 680, vous allez écrire. Demain, les filles là, vont vous répondre. Pour les lavages, vous devez envoyer les photos et puis ce que vous voulez. Je fais les lavages les lundis, donc demain, je devais faire les lavages entre 7h et 9h.
et je dois sortir urgemment. Je reviens dans l'après-midi. Donc, je devais encore reprendre de 11h jusqu'à 14h30. Après, je fais une consultation ici, physiquement. Donc, consultation ici au Cameroun, ça ne commence qu'à partir de 14h demain. Je vais consulter que pour 3 heures de temps, vraiment. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon, sous les yeux de tout Israël. Je vous ai dit que vous allez entrer dans une période de votre vie où ils vont vous regarder prospérer. Ils ne pourront plus rien faire. Vous croyez que ça, David n'avait pas d'autre femme? Vous croyez que David n'avait pas d'autre femme? Les femmes, les familles avaient les co-épouses là. Vous croyez qu'il n'avait pas d'autre femme? Vous croyez que c'est toutes les femmes qui aimaient Salomon? Sûrement Bathsheba là partait déjà faire les offrandes pour son enfant. Pour que ce soit lui que l'enfant, que David choisisse. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Quand on va vous prêcher ça à l'église, on va dire, ouais, Dieu l'a rendu prospère, Dieu l'a rendu. Mais on va zapper la partie où on a montré qu'on allait faire, on a sacrifié 3000 animaux sur sa tête. 3000 animaux. C'est pour ça que depuis tu pries que Dieu te donne la richesse de Salomon, il ne t'a jamais donné. Depuis que tu m'as acheté Salomon, là, tu n'as pas couché, ce que Dieu t'a pas eu. Pape du droit, comment savoir si le lavage a réussi? Mais le lavage réussit toujours. Parce que j'ai fait mon lavage, c'est ma force, c'est ma vigueur que je mets dans votre lavage. Il y a un de mes fils ici, l'autre jour, il a lavé seulement deux personnes. Il fait les deux parce qu'il s'assoit comme ça là. Il dit que je sens que ma puissance est partie. Donc si tu viens à moi, tu n'as pas la foi. Hein. Je vais en avoir trop occupé. Donc quand je vous vois à distance. Donc, quand vous faites les déceptions comme là, quand vous venez, je vais seulement que pardon. Même si tu as payé, même si c'est combien que tu as donné, tu as remboursé son argent, pardon. Viens comment dire que comment il veut savoir que ça a marché, comment il veut savoir. C'est la foi. Tu n'as pas la foi, ne viens pas. Ne me contacte même pas. Et voilà, tu as le nom de Decepticon. Mettez vos noms bizarres sur Facebook là. Je ne suis pas la seule personne qui lave. Donc, si vous, je vais éclaircir vos yeux. Finissez ou pas. Si vous avez votre personne, partez vous laver là-bas. Vous comprenez, non? Voilà. C'est juste, je suis sous-bouqué. Ils vont me parler mal. Il y a souvent vos démons là qui font que vous commencez à parler mal aux gens. Je n'aime pas ça. C'est qu'ils t'insultent bien même. Tu rembourses ton argent et te bloquent. Bon. J'espère que vous avez retenu quelques leçons. Quand tu pars faire ton sacrifice, là où tu es parti faire le sacrifice, si tu peux, dors là-bas. C'est là qu'ils vont te parler. Et dans la nuit, attends qu'ils te répondent, ils te parlent. Attends-toi à ce qu'ils te parlent. Les principes, hein, c'est genre, quelle que soit ta nationalité, si tu fais 1 plus 1, ça va donner 2. Quelle que soit ta couleur de peau, tu fais 1, tu ajoutes 1, ça donne 2. Et ce sont ces principes qu'on vous a cachés. Maintenant, quand tu appliques, moi je suis médiatrice. Gustavie, Merlin, tu es dans quel pays? Parce qu'on aurait pu te poster ça. DHL, on a ouvert DHL à nouveau. Parfois, vos produits ne doivent pas passer par n'importe qui. Je suis juste une médiatrice. Comme dans la Bible, il y avait les sacrificateurs, il y avait les middlemen, quelqu'un qui est entre Dieu et vous. Je prends ton truc, je viens, je me mets, je fais, je donne. Il y en a parmi vous, vous ne savez pas parler. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Il dit que je viens et te dis que voilà comment on parle. Je parle, je parle, je parle. Je te bloque sur Facebook, non, papa. Je te bloque pourquoi? Je bloque ta vie, pourquoi? Je te rembourse ton argent, je te bloque, tu ne me parles plus, non. Je te bloque pourquoi? Je suis là pour libérer les gens, je bloque encore d'autres personnes.
La bouche qui bénit ne peut maudire. Si tu maudis avec ta bouche, c'est que en fait, tu ne bénissais pas les gens avant. Oui. Gustavi demande qu'on revienne avec son top. On va te poster. Demain, on poste les choses en France. Demain, il y a les choses qui vont partir en France. Demain, qu'on envoie. Si on peut venir avec ça avant 10h. Le prochain envoi, c'est jeudi. On fait les DHL. Bon. Il y a les lavages. Job chapitre 1, verset 5. Sanctifiez vos enfants. Lavez vos enfants. Sacrifiez sur vos enfants. Quand vous partez faire votre propre sacrifice pour vous-même ou bien pour l'enfant. De préférence, dormez là où vous êtes parti là. Et une requête claire pour Dieu. Et croyez. Croyez. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc ce que tu fais, tu montres à tes enfants là. C'est ça qui va assurer que leur vie va aussi marcher. C'est pour ça que dans Deutéronome, Dieu disait tout le temps. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu ne te tournes pas à gauche, tu ne te tournes pas à droite. La Bible dit que Salomon obéissait aux coutumes de son père. Alors son père lui a montré comment faire. Abraham a montré à Isaac. Isaac a montré à Jacob. David a montré à Salomon. Salomon a montré à ses fils. C'est celui qui conserve la coutume qui est béni. Allez voir la chronologie. Dans la généalogie, là, un chronique. Quand on parle des rois. Chaque fois qu'on dit qu'un roi est tombé ou qu'il est mort tôt, la Bible dit que c'est parce qu'il n'obéissait pas aux coutumes. Il n'obéissait pas à la loi. Il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas seulement le péché. Pape du droit, envoie ta personne. Si la personne a Yaoundé, on peut poster à Yaoundé. Si la personne a Douala, il vient une fois chercher sur place. C'est mieux. Maria, priez si la semaine, si Dieu me parle, elle veut venir à Yaoundé. Job chapitre 1, verset 5. J'ai donné ça au début de l'enseignement. Job 1, verset 5. Bon, ça fait une heure que j'enseigne. Partagez ceci avec quelqu'un, ça va aider quelqu'un. Je sais que les Decepticons là, je vous connais déjà, je sais que vous là, je vais venir voir les commentaires, c'est là que vous avez mis vos faux commentaires là. Vous bloquez les gens, vous ne voulez pas qu'on les sorte de là. Mais je vais les sortir, ne vous inquiétez pas. Vous avez compris, non? Tu vas venir là, tu vas voir que ta nièce que tu bloques souvent là, qu'elle est sur mes vidéos. Donc elle va aussi connaître qu'il faut aller faire les trucs pour se débloquer. Tu ne voulais pas qu'elle sache, non? Elle va savoir. Yo, je... Yo, Tim, elle va sortir du trou là où tu l'as mis. Pape du droit, tu as le syndrome des mêmes PC. Il te faudra faire un travail de fondation. Après déblocage. Donc, demande les kits de fondation et déblocage. Tu as compris? Sûrement, tu es quelqu'un qui faisait le business avant, où tu as beaucoup d'argent. Bon. Bonne nuit. Je suis censé me réveiller à 6 heures. Non, j'aurai 3 heures de sommeil. Soyons bénis. Moi, je suis béni. Je vous bénis. Bon, on a les remèdes, on a les produits. Il y a les produits de poison de nuit. Produit comme ça contre le poison de nuit. Prospérité. On a aussi des bougies. Bougie prospérité. On a des choses. On a des kits. On a le kit commerce. Il est très chargé. Il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a le donne-moi tout. Il y a le bâton de commandement. Il y a le gel pour attirer les clients. Il y a ceci pour accrocher à la maison et mettre dans le porte-monnaie. Le savon prospérité pour le succès dans les affaires. Et celle pour mettre dans le business. Il y a plein de choses ici. Là, il y a les gels pour se purifier. Il y a les encens pour appeler les clients.
Donc, ce kit est complet. Et aussi, ça s'enlève les mauvais esprits dans votre business. Il y a l'huile de blindage, il y a l'huile de prospérité, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est l'un de nos kits les plus chers. Cher, c'est relatif. Hein. Tu prends ça, tu utilises, tu as un maximum 2 semaines pour avoir au moins ce 10 fois plus que ça qui est revenu dans ta main. Donc, apprenez à investir sur votre spiritualité. Ok, Marie de nuit, oui, on a des produits pour ça. On a des huiles qu'on te donne. Tu as compris, non? On a des kits qu'on te donne. Pour les maris de nuit, on a des produits contre ça. Poison de nuit, les gens que vous mangez dans le rêve tout le temps. Là. Ce kit commerce, c'est pour les gens qui ont leur... Peut-être faire le business en ligne. Peut-être tu as le magasin. Parce qu'il y a aussi des trucs que tu verses dans le magasin là-bas pour que ça chasse les mauvais esprits. Donc, je vais faire la vidéo de ça, je vais mettre sur YouTube. Donc, si vous êtes abonné sur ma page YouTube qui a le même nom que cette page de Give Digger Academy, demain matin, vous aurez cette vidéo là-dessus. Ce kit, il coûte 70 000. J'ai préféré mettre la totale dedans. Et puis, parce que seulement ça, ça coûte 10 000, ça coûte 15 000. Seulement les deux produits, c'est 25 000. Donc, le kit en lui-même coûte 70 000. Il est hyper chargé. Il y a ce truc que vous devez accrocher. Vous mettez un à la caisse de votre business. Vous accrochez l'autre à la fenêtre ou bien dans un coin de votre business. Il y a les encens que vous allez brûler. On a mis beaucoup d'encens. Beaucoup. Il y a aussi le parfum Homme Riche pour attirer les clients qui ont l'argent. Donc, on a mis beaucoup de choses dans ce kit. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous. Je préfère qu'on te dise tout ce dont tu as besoin spirituellement et que tu prennes pour que tes choses donnent. Donc, quand vous venez à moi, vous dites, je n'ai pas l'argent, je n'aime pas, vous n'avez même pas entendu ça d'abord. Pour les notices, je fais les vidéos, je mets sur YouTube. Donc, quand tu prends ton kit, tu mets ça, tu vas sur YouTube regarder, je préfère. Pour l'envoyer, le kit vient comme ça. Voilà comment le kit vient. Donc, on poste ça comme ça une fois par DHL. Ça part comme celle-là. C'est super plein, vraiment. Voilà, regarde. Pas de choses qu'il y a dedans. Donc, on scelle seulement comme ça. On t'envoie. Tu auras la vidéo sur YouTube. Je vais poster la vidéo tout à l'heure. J'ai mis le kit fondation. J'ai mis le kit attirant sur YouTube. J'ai mis le kit déblocage sur YouTube. Voilà. Bon, les lavages, je vais les faire à 50 euros. Ces lavages sont trop lourds. Donc, profitez de mes services maintenant. Hein, parce que les consultations, même, je vous ai dit que consultations, il n'y en a même plus. Même les lavages, il y aura un moment où les lavages vont coûter plus cher que ça. Parce que plus je deviens occupé, plus mon temps vaut de l'argent. Même plus que ça. Il y en a même que je dis même non. Vous me payez, même je dis non. Bon. L'enseignement que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour... J'ai voulu démystifier ce qu'il y a dans votre tête par rapport au sacrifice. Deuxièmement, mon but, c'était le fait que vous travaillez sur vos enfants. Vous devez travailler sur vos enfants. Business en ligne, tu prends tout le kit business. Ceux qui ont le business en ligne, tu prends le kit business. Travaillez sur vos enfants. Travaillez sur vous-même. Et spirituellement, quand ta chose est bloquée, tu dois dépenser pour que ça te débloque. C'est clair. Tout, ce sont les échanges d'énergie. Voilà. Même les femmes, où c'est les femmes quoi là, aux femmes là-haut. Oui. Il y en a qui me contactent souvent. Pour restaurer leur pouvoir d'attraction. Je vous donne les kits. Maintenant, c'est vous qui partez diriger la prière comme vous voulez sur ça. Moi, je suis pas dedans. Bon. Bonne nuit à vous. Ok? Il faut que j'aille dormir moi aussi. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Félix Rodrigue, la personne... pape du droit. Quand vous faites, vous me tutoyez, genre, vous me parlez comme si... ouais, Seigneur. Écoutez, quand on manquait de respect, même si j'avais pris votre argent, vous en bousse. Donc, quand on me parlait, il faut faire, il faut arranger un peu vos mots d'abord, je vous en prie. Voilà. C'est parce que vous me voyez sur Facebook ici, là, tous les jours que... Bon, bye bye.